C'est la vie et de toute façon, on n'a pas de maîtrise sur la vie. C'est aussi vrai. Donc ça invite à lâcher prise parce qu'on ne contrôle pas le rythme des saisons. On ne contrôle pas forcément ce qui va nous arriver et qui est inconnu. C'est là où il y a le côté plus grand que soi, la vie. Il y a un goût de destin, un goût de karma qui vient là. On ne peut pas tout calculer. Par contre, moi, j'estime qu'on a toujours un peu de libre arbitre et on viendra à la fin sur d'autres invitations, des clés de compréhension sur cette carte-là qui nous disent que non, on n'est pas juste tributaire du destin. Mais aussi, on peut voir comme un coup du destin dans le sens positif, que, et même si éventuellement on a fait des prières, je sais pas, si pour nous, dans notre croyance, on fait des prières aux anges et qu'on s'imagine ou notre ange gardien, on peut voir là l'intervention de l'ange gardien qui va faire tourner la roue parce qu'on l'a appelé de nos voeux de cette façon-là. Ça dépend de nos croyances, en fait.